Good morgen, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal et Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine Dieu de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions ma Sechet Beitza, Perek Bet, Mishnah Gimel, Veshavin, Shemashikin et Hamaim Bichli Even et Taharan, Aval Lomad Bilin, Lomad Bilin, Migav Legav, Omechabura Lechabura. Mishnah qui continue le sujet évoqué dans la Mishnah précédente. Directement, c'est intéressant, j'ai déjà soulevé la problématique, je ne sais pas, qui a décidé de couper les Mishnayot de la sorte. C'est vraiment une Mishnah qui se continue directement. On avait vu dans les Mishnah précédents, je vous rappelle, on est en train de parler de Machloket Bet Shammai Bet Hillel, sur les choses qu'on a le droit de tremper pendant Shabbat en vue de Yom Tov. D'accord? Parce qu'à Yom Tov, on est obligé de se purifier. Donc, les ustensiles, tu ne les trempes pas pendant Shabbat en vue de Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de tremper quelque chose qui était inapte à l'utilisation, qui était impropre à l'utilisation, et de le rendre apte parce que tu le répares. Pour les hommes, les humains, on avait vu une certaine machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai interdisent, et Bet Hillel disent, non, écoute, quand tu trempes au mikvé, c'est peut-être en train de prendre une douche fraîche pour te rafraîchir, c'est pas forcément que tu es en train de te purifier. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu. Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Et sur ça, la Mishnah maintenant, elle s'ouvre en nous disant, Veshavin, et ils sont tous les deux d'accord, regardez comment ça, à ce point-là, c'est rattaché entre la Mishnah Bet et la Mishnah Gimel. Et tous les deux sont d'accord, Bet Shammai comme Bet Hillel. Chez Mashikin et Tamaim, Bichle Even et Taharan, qu'on aura le droit de Mashikin, je ne sais pas comment on traduit le mot Mashikin, c'est un Nishika, faire un bisou, mais on pourra faire un contact entre l'eau qui est dans un ustensile en pierre pour le purifier. Et là, il faut expliquer c'est quoi l'histoire. On parle d'un cas très très particulier. C'est que j'explique. La purification des choses, d'une chose impure, un ustensile impur, ça se purifie. À l'exception d'un ustensile en argile, mais les ustensiles en bois, en métal, on peut les purifier. S'ils ont été impurs, chacun a un procédé pour les purifier. Par contre, un aliment ne peut jamais être purifié. C'est-à-dire que si on a un aliment qui est devenu impur, eh ben, il n'y a aucun moyen de le rendre pur. À une seule exception, c'est l'eau. C'est-à-dire, vous avez une pomme qui est devenue impure, vous ne pouvez plus la rendre pure. Si c'est une pomme de rouline, vous avez le droit de la manger. Elle ne vous rendra même pas impure. Il faudra juste faire attention à ce qu'elle ne va pas toucher un autre aliment qui est trauma. Et si c'est un aliment qui est trauma, qui est devenu impur, vous devez le détruire. Il n'y a plus moyen de le consommer. De l'huile, on pourra la brûler, quand même en tirer profit de la lumière. Mais en tout cas, donc un aliment, en général, un aliment, ça ne se purifie jamais. Ça n'existe pas que je sois un aliment impur, je le trempe au mikvé, il devient impur. Ça n'existe pas d'aucune manière. Pour l'eau, il y a une halakha assez particulière, que concrètement, on va arriver à une purification de l'eau, mais ce n'est pas parce qu'on la trempe au mikvé, parce que si vous trempez de l'eau mikvé, vous n'avez plus d'eau du tout. C'est on va lui faire une hachaka. Ça c'est déduit dans la Gemara, ça s'appelle une zri'a. Concrètement, dès que l'eau, je vais la... Il y a un bassin d'eau, de mikvé. Dès que, vous savez que quand j'ai un mikvé et que je verse de l'eau dedans, toute l'eau que je mets dedans, elle redevient en son état naturel. Le principe du mikvé, en fait, c'est que c'est de l'eau qui n'a pas été puisée, c'est de l'eau qui est à l'état le plus naturel, qui n'a pas été contenue dans aucun ustensile. C'est le principe du mikvé, il n'y a pas de même chez Ouvin. C'est de l'eau à l'état pur avant que l'homme a commencé à l'utiliser, à la manipuler, à en faire quelque chose, d'accord? Un mikvé, c'est ça le principe de l'eau, on prend de l'eau de pluie qui n'a pas été conduite, même par aucun ustensile, qui n'a pas eu de main de l'homme qui l'a concrètement, qui l'a prise en main. D'accord? C'est un principe général dans une grotte mikvot, un jour on étudiera ça, Bezrat Hashem, quand on devait inventer la grotte. Ça arrivera un jour, Bezrat Hashem. Donc, c'est le principe général de l'eau du mikvé, l'eau à l'état pur encore, qui n'a pas encore été exploitée par l'homme. Lorsque vous prenez de l'eau qui a été exploitée par l'homme, l'eau qui était dans un ustensile, vous la mettez dans le mikvé, l'eau que vous avez, le fait de la remettre en contact avec un bassin d'eau de mikvé, ça fait que l'eau que vous avez en main, elle va redevenir de l'eau à l'état naturel. Elle va redevenir pure. Elle devient pure par le simple contact, pas parce qu'un, il va purifier l'autre, mais parce que ça s'appelle une achaka. Vous les faites embrasser, vous les faites entrer en contact, et ça va devenir maintenant une seule entité. Comme l'eau du mikvé, c'est de l'eau qui est à l'état pur, parce que c'est de l'eau de mikvé, et ben l'eau que vous avez dans le verre aussi, elle va rentrer en contact, elle va devenir
elle va prendre le même statut. D'accord? Ça s'appelle une, aussi, ça s'appelle dans la, ça déduit d'une zri'a. Le fait qu'on sème, on semait cette fois-ci, on va arrêter avec les bisous et s'aimer. Ouais, le fait qu'on sème, semer de la devoir. Si vous avez du blé qui est impur, et vous allez le semer, et ça va se transformer en un nouveau épi, et ça va pousser, le blé qui va pousser, minatora, il est redevenu pur. Il y a dans certaines circonstances, il y a des décrets et tout ça, mais de manière générale, le fait de semer du blé fait que maintenant, c'est redevenu de nouveau à l'état brut, il y a plus de, c'est plus de prédominé par l'homme, donc ça véhicule plus d'impureté. C'est un principe général, le rotum avetara. Les choses qui sont en état le plus brut, à l'état naturel, ils ne véhiculent pas d'impureté. Et bien là, selon le même principe, on déduit que l'eau aussi, le fait de la renvoyer à la terre, la mettre en contact avec de l'eau initiale, ça fait perdre son caractère d'impureté. D'accord? Alors la Mishnah maintenant me dit, cette purification de l'eau spécifiquement, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Soit, si par exemple tu as un mikvé, qui est par exemple un mikvé que tu ne peux pas boire l'eau parce qu'elle est vraiment sale, mais malgré tout elle a un statut d'eau de mikvé. Ouais? Tu peux prendre un verre d'eau propre, où il y a dedans de l'eau impure, tu la fais descendre jusqu'au mikvé, tu lui fais un petit contact, et dès que tu as fait un petit contact, c'est devenu pur. D'accord? Si tu n'es pas écœuré par ça, tu as le droit de le faire et tu pourras boire ton eau. Ça, c'est un. Par contre, à condition que tu le fasses dans un ustensile qui est en pierre. C'est quoi la singularité d'un ustensile en pierre? Un ustensile en pierre ne véhicule aucune impureté. En fait, la Mishnah veut surtout me dire, avec l'eau madbilin, tu ne pourras pas tromper. Soit, si j'ai de l'eau qui est dans un ustensile en argent, dans mon verre de kidouche, j'ai de l'eau et tout est impur pour le moment. Et je veux faire comme si je veux tremper l'eau, mais en fait, je vais prendre mon verre en argent, je vais le descendre dans le mikvé, je vais mettre en contact l'eau, mais en même temps, si l'eau va devenir pure, et même mon verre, il va devenir pur, là, je n'ai pas le droit de le faire. Je te permets de purifier l'eau parce que tu en as besoin, mais je ne te permets pas de purifier l'ustensile, même si tu saisis l'occasion que de toute façon, je te permets de le faire pour l'eau, je t'interdis de le faire pour le verre. D'accord? De ce fait, tu ne pourras, si tu veux purifier de l'eau, tu pourras le faire que dans un ustensile en pierre qui ne véhicule pas d'impureté. Ok? Autre précision encore sur les lois de pureté. Madbilin migav legav ou mechabura lechabura. Une Mishnah qui me donne une permission de tremper des ustensiles pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, dans la mesure où ils sont de toute façon purs, mais que tu veux les tremper pour une Tosefet Gdusha, encore plus de Gdusha. Et on explique de quoi on parle. C'est pas compliqué. On va suivre le pirouche du Barthénora à moitié complété par le Rambam qui est encore plus complet. Le Barthénora, il a fait un petit problème. Il a un peu de Rambam, un peu de Rashi en même temps, et ça fait une boulette un petit peu originale. C'est la question qui est là, le Tosfot Yom Tov, qui rallonge sur ça pour expliquer la vie du Barthénora. Pour corriger, en fait, la vie du Barthénora. Donc, je vous dis directement le pied du Rambam. De manière générale, les lois de pureté et impureté, donc, c'est pas ou blanc ou noir. C'est pas les choses, elles sont soit pures, soit impures. Il faut savoir que même quand on entre déjà dans le cadre de la pureté, les choses, elles sont déjà pures. Malgré tout, Chachamim, on fait des ma'alot bakodesh. Selon les niveaux de choses que l'on va consommer, s'ils sont encore plus kadosh ou moins kadosh, Chachamim ont instauré de tremper les ustensiles pour les utiliser sur un niveau plus kadosh. Je m'explique. Il y a plusieurs niveaux. Je peux d'abord manger mes aliments profanes et veiller à ce qu'ils soient dans l'impureté. Donc je mange tout ce qui est chez moi est très pur. Mais je mange profane. Un niveau au-dessus, c'est le Maaser Sheni. Lorsque le fameux Maaser Sheni qu'on mène à Yerushalem, lui, il doit être mangé dans la pureté. Cette fois-ci, c'est une obligation de la Torah. Donc là, c'est un niveau encore de pureté encore plus haut. Encore plus haut que ça, c'est qui? C'est les Kohanim. Lorsqu'ils mangent de la Trouma. C'est encore plus pur. Pourquoi c'est encore plus pur? C'est une pureté, cette fois-ci, où celui qui va transgresser, il va être passible de Mita Bidei Shamaim. Et c'est un niveau encore plus grand, d'accord? C'est un niveau encore plus haut. Et un niveau encore plus haut, c'est les Kochim. Le fait de manger ce qui est Kadosh du Beth Amikdash, les Korbanot, les Shlamim, même consommés par le Israël, c'est un niveau de Gdusha encore plus haut. Ouais, il y a en réalité plusieurs malotes. Pour le moment, je vous ai donné 4 niveaux de Gdusha. Imaginez maintenant que moi, chez moi, on mange tout pur, mais on mange du Khoulin. Mon ami Cohen vient et me demande est-ce que je peux lui prêter une fourchette pour manger, c'est sa trouma. Il a fait une salade de ce que vous voulez,
avec des fruits trauma. Je vais lui dire, tiens, je te la prête, mais il faut qu'il aille la tremper au mikvé, même si elle est pure. Elle est pure, parce que tout ce qui est chez moi, c'est tout pur. Malgré tout, pour pouvoir manger la trauma, il faut, c'est une mala supplémentaire, il faut retremper au mikvé. Et ainsi de suite, quand on passe de niveau, selon la hiérarchie de la gdoucha. Il faut retremper au mikvé. Ce bain-là, quand je te demande de tremper ces choses-là au mikvé, ces choses-là, en réalité, puisque Minatora s'est permis, c'est que des décrets des Rabbanan, dans la mesure où c'est des lois encore plus strictes pour consommer chacune de ces choses-là, qui est encore plus kadosh, Rami m'ont demandé, pour éveiller notre vigilance, qu'attention, prends encore plus au sérieux, et encore plus au sérieux, et encore plus au sérieux. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de tremper pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, de tremper les ustensiles pour faire passer d'un niveau de doucha à l'autre. Puisque de toute façon, c'est pur en réalité, et que je t'ai juste demandé, on a juste décrété que tu trempes au mikvé pour que tu sois encore plus vigilant, et encore plus vigilant, dans ce cas-là, tu as le droit de te tremper au mikvé pour faire passer d'une utilisation à l'autre utilisation. C'est ce que la Mishnah me dit. Alors la Mishnah utilise maintenant deux expressions un peu différentes, c'est là pour ça que le Barthénois il s'est un petit peu cassé la tête et en donnant une allure un peu différente. Madbilin mi gav les gav. Le mot gav d'abord, ça veut dire le dos, mais là ça aussi ça rentre pas dans le dos. Ça rentre pas dans le cas, on peut pas dire le dos en fait. Ça veut dire algabé, les gabé, à propos de. Tu fais tremper d'un sujet à un autre sujet, d'un niveau à un autre niveau. Ou mi chabura le chabura, ou bien d'un groupe à un autre groupe. Si moi-même je suis un Kohen, que j'ai commencé à manger, j'étais invité à la table de gens qui mangeaient de la trauma, du maaser sheni, après on m'invite dans une autre maison où il n'y a que des Kohenim qui mangent de la trauma cette fois-ci, alors j'aurais besoin moi-même de faire une dvila, les ustensiles auront besoin de faire une dvila, puisque je passe d'un groupe à l'autre, où on mange plus kadosh là-bas, ouais. Et donc du coup, la Michelle me dit, ben, tu as le droit de tremper d'un niveau de gdoucha à un autre niveau de gdoucha, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tuv Salam.